Bonjour à tous. Coureur ordinaire de course extraordinaire. Nous vous emmenons sur l'île de la Réunion pour un nouveau reportage sur un ultra trail de 165 km. La Diagonale des Fous. Mais avant de vous faire découvrir le parcours en immersion, nous vous proposons une reconnaissance partielle aérienne en partenariat avec la société Air Aventure. C'est parti. Au départ de la commune de Saint-Pierre, les concurrents s'élanceront pour 165 km. Ils traverseront l'île pour rejoindre l'arrivée à Saint-Denis. Avec un dénivelé positif d'environ 10 000 mètres, cette course est réputée pour être l'une des plus difficiles au monde en son genre. Au kilomètre 50, les coureurs entameront la première grosse difficulté de ce grand raid, la montée au coteau de Kerbeghen. Cette année, le parcours a été rallongé de 5 km. Les coureurs iront jusqu'au gîte de la caverne du Four pour emprunter la descente du bloc et rejoindre Sillaos au kilomètre 72. Ensuite, ils enchaîneront avec le col du Taïbit pour prendre la direction du cirque de Mafate où le paysage est spectaculaire. Ils en prendront plein les yeux, mais surtout plein les cuisses. Le cirque de Mafate est complètement coupé du monde extérieur. Il n'y a aucune route. Si un coureur souhaite abandonner, il lui faudra malgré tout en sortir. Nous vous conseillons donc de continuer l'aventure avant de choisir cette option. Notre aventure en ULM s'arrête ici. Il est temps pour nous d'aller retirer notre dossard pour vous faire vivre cette aventure en totale immersion. Ah, ça fait plaisir tout ce monde. Bravo, bravo à tous. Vous êtes là, vous l'avez fait, cette grosse préparation. Toute l'année, vous vous êtes préparé pour ce moment. Et le moment, il est arrivé. Les premiers départs, demain après-midi bien sûr, le Zambroca, la Diagonale, on aura ensuite dans l'ordre la Mascarade, bien sûr, on finira avec le dernier coup de pétard, le Trail de Bourbon, que la fête commence! Dans ce reportage, nous allons mettre en avant deux couples. Sur ma droite, Jérôme et Laetitia. Et à ma gauche, Valérie et Hans. Donc Jérôme et Laetitia, vous avez participé pour la première fois à la Diagonale des Fous, d'ailleurs sur une distance aussi longue. Quelles sont tes appréhensions, Laetitia ? Les appréhensions, c'est la fatigue et la distance qu'on n'a jamais fait aussi longue, quoi. Donc voilà. Et puis se supporter tous les deux. Voilà. Votre objectif, c'est de passer la ligne d'arrivée main dans la main. Jérôme, toi, tu vas filmer ton aventure de l'intérieur avec une GoPro. J'imagine que tes enfants doivent être fiers en visionnant toutes tes aventures que vous avez faites. Oui, effectivement, en général, bon, ils n'en parlent pas beaucoup, mais bon, ils sont assez fiers quand ils voient un copain ou qu'ils voient un copain à eux. C'est vrai qu'ils aiment bien faire voir la vidéo. Donc, ouais, ouais. Et ils nous supportent quand même beaucoup parce que tous les entraînements qu'on fait, voilà, on n'est pas absent de la maison, donc c'est compliqué, quoi. Valérie, ce sera ta première Diagonale des Fous. Hans fera ton assistance. J'imagine que c'était un rêve pour toi. Oui, complètement. Déjà, c'est une course mythique. Il a fallu que ça m'a pris une année de préparation, donc j'en rêvais de faire cette course. Et c'est vrai que c'est le must de tous les trailers, hein. Tous ceux qui veulent faire un bon trailer rêvent de faire la Diagonale des Fous. Ça, c'est indéniable. Donc honnêtement, ce rêve, je vais vraiment le concrétiser et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Hans, c'est une aventure à part entière de suivre Valérie sur le parcours. J'imagine que tu as bien étudié le parcours pour pouvoir suivre Valérie à chaque étape. Oui, ça va être assez compliqué les points de rencontre, mais bon, on va faire le maximum pour la supporter. Elle s'est super bien entraînée, aussi bien en course que renforcement musculaire depuis plus d'un an. Elle a ça dans la tête. Le seul point un peu faible, ça sera bien gérer ses émotions. Mais moi, j'y crois, elle ira jusqu'au bout parce qu'elle a un mental de fou. Voilà, Diagonale des Fous. Désormais, il ne reste que trois choses à faire, se reposer, prendre le départ de la course et être finisher. Bonne course à tous. Merci.
récupère les sacs et puis on les emmène à deux bras. Et lorsque les coureurs passent à deux bras, ils récupèrent les sacs d'accord. avec leurs affaires et on récupère après, on ramène sur, sur la redoute. Et l'autre point des sacs d'allégeance ? Alors il y a Sillaos, il y a deux bras et il y a la redoute. Allez, super, merci beaucoup. Merci, bon courage. Et bon courage à vous aussi. Hein. Merci à vous également et très bonne course. Merci à tous les bénévoles. L'Indien est en forme, ouais. Mais bon. Tu vises un chrono ou pas ? Non, non. Juste finisher ? Finisher. Ça sera déjà bien. Dimanche, dans la matinée. La vague 2 vient de nous dépasser. Et on est au kilomètre 4. Donc nous, on se préserve pour finir la course. Allez, merci. Toujours autant de monde comme vous voyez, c'est un vrai régal. Faut bien que quelqu'un vienne vous voir parce que... Ils sont tous quoi. Allez, à bientôt. Allez, kilomètre 6. Donc on vient de passer un petit point d'eau où personne ne s'arrête. Hein. Et là, ben on commence la montée. Ah bravo, hein. Bravo. Trop mignon. Et tout, le combien, ça, le combien. Allez, super. Le combien qui est arrivé là. Combien de grands rêves. Ça va. Allez. Allez, bravo. C'est Romain. On va attendre les soins. Allez, bravo à vous. Merci. Allez, bravo, bonne course. Ah, il est super. Bravo. Je t'éclaire un peu. Hein.
attention. Allez, ouais. Léo. Attention, attention. Bon, tu bouges un peu. Allez, super, bravo. Allez, bonne course. Ouais. Bravo à vous. Hein. Bravo à vous, bravo. Bonjour. La pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave. Et on prend ce vent et on court. Et on court. Allez. Ouais. Merci. Ouais. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Pascal. Ça va? Non, attends. Ça se passe bien? Ouais. Ouais, super. Voilà. Valérie, elle est passée, non? Non, je pense pas, non. Ouais. Hey, je les ai vus au départ. Ouais, j'étais au kilomètre 800 mètres, un kilomètre quoi. Ouais, ça ouais, ouais. Envoyait, hein. Oh, partez putain, vite. Hein. Ouais, ouais, ça envoyait. Ouais. Allez, bon, bah, tu passeras le bonjour à Valérie. Bien. Domaine vidéo. Donc là, je conseille aux coureurs de ne pas s'arrêter à l'intérieur parce que c'est surchauffé et d'aller directement à l'extérieur là où il y a les fontaines. On a pris comme poussière les gars. Camille n'a pas la forme, elle a envie de vomir, elle a mal à l'estomac, donc c'est compliqué pour ce début de course pour elle. Elle galère. Senia, toujours dans pleine aventure. Toujours. Et là tu t'engages sur la Diag pour la première fois ou pas? Première fois, oui. Ah. Alors, tes impressions pour l'instant? Pour l'instant top. Mais je regrette juste de ne pas être en meilleure forme. Eh oui, tu sors d'une grippe là. Je rentre dans une grippe. Ah, tu rentres dans une grippe, oh là là. Pas trop rester vers toi alors. Après, c'est plus des états grippaux qu'une vraie grippe. Mais... Ouais. Là, en plus, avec la poussière, je ne vais pas respirer. Bon. Donc, je vais y aller mollo. Voilà, et tu vas essayer de finir tout simplement voilà. Sans regarder le chrono. C'est ça. Bon, bah, écoute, je te souhaite de réussir. Merci. Je te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. C'est vrai, je pensais que les vagues, ça allait amortir, mais en fait non. Parce que là, quand on est là, il n'y a plus de vagues, là. Ah non, là, là tout le monde aime bien là. 3, 4, 5, on se rend. Ouais. Désolé pour la lumière. Ah, pas de problème. Vas-y. Courage. La mienne se sent pas bien. J'ai jamais vu dans cet état. Donc elle a un bon mental. Mais là elle est vraiment dans le dur. Je l'ai accompagnée un maximum. Là les barrières horaires, je suis très en retard par rapport aux autres années. Donc, et on n'a même pas au ravitaillement 2. Donc elle veut arrêter là.
Donc je vais voir, c'est peut-être qu'elle ira jusqu'à Silaos. Mais je lui ai dit de ne pas s'engager dans ma fat si elle y arrive. Donc, à suivre. Regardez qui je retrouve sur le parcours, les Dubois. Et oui, ils sont là. Ils me doublent. Ils ont chié quand même un peu. Ils me doublent. Ouais, ça s'est bien passé le départ. Ouais, rapide, pour retrouver madame qui était dans la vague précédente. Ouais, oui. Voilà quoi, elle est très contente de te trouver quoi. Ouais, ouais. Ça fait passer le temps parce que... Ouais, là je commençais à m'endormir. Hein. Ouais. Sur la route, là je faisais des zigzags. Ouais. Et tu m'as réveillé. Ouais, c'est bien, là on va arriver presque au point culminant. Allez. Allez, ben bonne course. Ouais, à toi aussi. Michael. Merci monsieur. 27 ici. 20-37. 20-37, c'est bien. Bon courage. Merci. Numéro 200, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je sors du ravitaillement 2. Donc j'ai mis toutes les couches que j'avais dans le sac. Il est extrêmement froid. Beaucoup de coureurs en couverture de survie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'abandon. Et pour moi, l'aventure continue. Hein. Et on y va étape par étape. Le jour se lève, il fait toujours frais, mais il y a beaucoup de parties roulantes, là. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir courir et rattraper un peu du temps parce que ça va être compliqué. Là, normalement, j'ai quand même pas mal rattrapé. Allez, direction parking R Nez de Bœuf, qui doit être dans 5 km grand max, donc c'est super. Allez. Et voilà, plus qu'à descendre au ravito. Ouais. Ah ouais. Ici c'est beau. Ça fait du bien. Franchement, sans chocolat. On est quand même un truc magnifique. Super Patrick. Bravo Pascal. Super Pascal, bravo. Allez, on y va. Donc là, nous partons en direction Marabout, 10 km de descente, et au passage j'ai croisé les Dubois au ravitaillement, ils vont bien, super forme. Donc on prendra des nouvelles de plus tard. It's so hot now. Bientôt le ravitaillement. Ça donne le sourire, hein, le ravitaillement. Allez, bon courage. Ravito à 1 km. Et il y a une petite pluie fine. Heureusement que je ne me suis pas déshabillé. Parce qu'il fait froid maintenant. Bienvenue à Marabout. Merci. Sans surprise.
C'est bon ? 7. Allez, super, merci. J'espère qu'il y a le rabité au pas de poulet, comme chaque année. Ça va être la surprise. Ça va me requinquer complet, ça. Les pâtes, c'est magnifique. Pas de poulet, ah bah c'est parfait. D'accord. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on ne prend pas pour ma soeur parce que. Ah merde. Il faut que j'ai la chaise. Il faut que je trouve une chaise rapidement. Et on retrouve toujours les mêmes obstacles. Sinon, ce serait trop simple. Des petits escaliers pour faire mal aux cuisses. La forme, toi, hein? Ça va. On dirait. Cette montée, elle est faite de racines pleines de boue et aussi de pierres pleines de boue. Bref, c'est la totale. Hyper glissant. Les cailloux sont bancals. Hein. J'ai dit, mais comment ils font pour courir sans se faire une entorse ici? Je sais pas. Ah bah si tu déplaces les bâtons en plus. Ah bah. Ah bah je suis pas ça, moi. C'est généreux. C'est cadeau. Oh là là, quand est-ce qu'il arrive là? Hein? C'est fatigant. Je suis passé, je. Et encore, pour l'instant, ça ne monte pas là. Alors, ça. Regardez ce chantier. Allez, première bosse de passé. Oh! Il y en a combien? Bah, ok, il faut aller à Carvegan. Tout va bien? Ouais, ouais. On soigne les bobos? Non, je fais de la prévention. Ça va, t'as raison. Faut pas tomber parce qu'on est sur la crête. Donc il y a le vide de chaque côté. Je me retrouve à nouveau avec les Dubois. La montée de Carvegan. Il transpire même pas. Si, si, quand même. Tu vois toute l'humidité qu'il y a par terre, c'est mou quoi. On non, aurait pas dû passer là. C'est raide quoi. Allez, bonne course les Dubois. J'ai fait une petite chute sur le cul, rien de grave. Les poignets, normalement, rien de grave non plus. Donc j'ai pas mal. Regardez la boue. Bonjour. Bonjour. Voilà. Non, je vais filmer quelqu'un qui en chie parce qu'il n'a pas l'air d'en chier devant. Ah mais c'est les chiteurs. Allez vas-y. Toi t'as l'air bien hein. Pour aller au bout hein. T'as l'air bien toi. Bien sûr. Ah oui, comme toujours. On comme tous ceux qui sont derrière. Tout... Oui j'espère. Ça y est on arrive enfin sur le plateau.
Maintenant, en direction le coteau Carveyen. D'ailleurs, c'est un champ de sieste, ici. Un point d'eau, super. Exactement, et c'était pas prévu, donc c'est encore meilleur. Merci. Bonjour mesdames, comment ça va? Ah, c'est Coteau Carveyen. Ouais. Altitude 2206 mètres. Voilà. Dans le dur. Pareil. J'ai un coup de moule. Maintenant, direction gîte de la caverne du four. Encore un sentier où on va bien galérer. Je sais pas si ça soit, mais en fait ça monte. Oh, légèrement, mais ça monte. Et avec tout ce qu'on vient de monter, on peut dire qu'on, même si la pente est faible, voilà ça. Je préfère 10 fois le coteau de Carveyen, parce qu'au moins ça descend cache. Là, je vais passer autant de temps sur ce sentier que dans la descente du coteau Carveyen. Regardez, ça monte jusqu'à là derrière encore. Putain, mais c'est pas possible. Alors, tout le monde est dans le dur. Hein? On kiffe, hein? On kiffe, hein? Ah ouais. C'est... T'en vois la fin? Du bonheur. T'en vois la fin quand même ou... Je crois que c'est en haut, hein. Apparemment j'ai vu un brouillard, on peut plus aller plus haut, quoi. Que... L'année prochaine c'est le piton tant qu'ils y sont. Ouais, voilà. Toujours plus. Ça c'est le gîte. C'est le gîte, et après on va descendre sur la gauche. Ah, vas-y, vas-y. 25. Ouais. Non. Le 20-37. Le 20-37. Allez, descendre du bloc. Donc c'est des marches pour le moment. Et dans la grisaille. Donc pas de paysage. Et aussi la descente pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Donc quand c'est mouillé, ben, ça glisse. Faire très attention. Donc, pierre et planche glissantes. Et il faut pas souper parce qu'après c'est le vide. Hein. La pluie est arrivée. J'ai vu deux chutes. Donc je suis très prudent. Tant pis, je mettrai le temps qu'il faut. Mais... J'ai envie de me faire une entorse. Hein. À partir de Marabout, Pascal a des problèmes gastriques, mais il arrive tout de même au poteau de Carveyen sur les mêmes chronos que ses précédentes Diagonales des Fous. Mais ce changement de parcours par le bloc sur cette 30e édition l'a complètement exténué. Il accumule un retard de 2 heures par rapport à ses chronos de 2017 et de 2018. Sachant qu'il passait de justesse les barrières horaires dans Mafat les années précédentes, il préfère ne pas s'aventurer plus loin. À présent, Hans nous donne des nouvelles de Valérie. Salut Pascal, je suis à Sillaos, il est 13h30, j'attends Valérie qui, à mon avis, dans une demi-heure, à la sortie, donc à l'arrivée et la descente de Sillaos. Pour l'instant, tout allait bien, il y a 5 heures, donc voilà, on va faire le point quand elle arrive. Bon alors, comment ça s'est passé? Super dur. Bah ouais. Ras le cul. Pascal a abandonné. Pascal il a abandonné. Ouais, il m'a envoyé il y a un quart d'heure. Pascal, oui, Pascal Lamia l'a abandonné au 25. Caméraman. Ouais. D'accord. Et puis. T'as eu peur. Bah, c'est... Non, j'ai pas eu peur. C'est qu'il y en a trois qui sont tombés dans le fossé. C'est différent, ils te vendent aux yeux. Patrick Vallon en a rattrapé un au vol. Où est Patrick?
Moi j'ai largué, hein, moi, il est long. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? T'es à 1h de la barrière horaire. Non, je suis à 19h45 pour être au sentier de je sais pas quoi, pour être au départ et pour être la barrière horaire, c'est 22h le TI. Mais sinon, faut que je sois à 19h45, non, faut que je sois à 19h45 au sentier pour pouvoir passer la barrière horaire pour faire le TI. Bon, donc tu t'accroches, tu continues. Moi j'aimerais bien dormir parce que moi je fais pas une deuxième nuit sans me reposer. Hein. Le problème, c'est que c'est tellement glissant. Faut manger, hein. Faut bien manger. Le problème, c'est tellement glissant, c'est dangereux. Si j'ai pas de sommeil et les appuis sont difficiles, sont pas bons, ouais. Tu vas droit à la mort, quoi, je veux dire. C'est mais le terrain, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, franchement. Tout le monde le dit, hein. C'est un terrain, mais le GRP à côté, c'est. Bon, faut que tu... t'as bipé là, donc c'est bon déjà. Deuxième jour de course pour les coureurs. Nous sommes au ravitaillement La Possession. Nous allons les accompagner sur les 22 derniers kilomètres jusqu'à la redoute. Mais avant tout, nous allons prendre des nouvelles de Jérôme et Laetitia qui doivent être sortis de Mafate. Enfin, du moins, on l'espère. Donc, allez, c'est parti, on part aux nouvelles. Salut Pascal. Bon, ben, on arrive à la brèche. Donc, il est 11h57. Voilà, ben, on flirte avec les barrières depuis ce matin. Voilà, quoi. Donc, bon, c'est pas facile, quoi. Donc, bon, on va s'accrocher pour aller jusqu'au bout. Allez, à plus tard, salut. Effectivement, ils passeront à 9 minutes de la barrière horaire de Grand Place Les Bas pour ensuite prendre la direction de Roche Plate. Donc maintenant, direction quoi les gars quoi? Direction Île de la Tanière, Orangé la Tanière, deux bras. Voilà, ils le disent mieux que moi quoi. Allez merci quoi. Allez, bon courage. Donc comme je disais tout à l'heure, bah, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu dans les descentes pour arriver à la barrière horaire. Parce que pour essayer quand même d'être finisher de cette diagonale. Voilà le type de terrain. Le même que sur tous les chemins ou tous les sentiers de la Réunion, avec des points de vue superbes quoi. Voilà. L'îlette des Orangers. Il y en a qui font leur toilette. Bon ben on arrive au ravitaillement de deux bras où on va retrouver nos sacs d'allègement, donc c'est les affaires qu'on a préparées à l'avance pour ceux qui savent pas quoi. Voilà, puis là c'est gueuleton, repos, sieste, si on veut massage, voilà. Poulet et rougail saucisse. Poulet. La bonne rougail saucisse, Damien. Tous les bénévoles. Merci. C'est bon, c'est ça. Merci. De retour à La Possession, allez c'est parti en direction la redoute. Alors un petit mot sur cette partie de course là, dans Mafate, tout ça s'est passé comment? Ça s'est plutôt bien passé, on a eu la chance de ne pas avoir trop chaud avec les nuages et puis bon moi la nuit qui est tombée quand je suis arrivé à Roche Plate. Ouais. Du coup c'était pour moi la meilleure partie que j'ai le mieux vécue. Et la fin, tu la sens comment là, ça va? Les cuisses? Ah, ça va être dur, ça va être un peu dur, mais on va prendre son temps et puis ça va le faire. Allez, super. Dans le plus dur effet. Allez, bonne fin de course. Merci. Il est 11h. Oh. Oh la vache. Ouais. Là, on va prendre cher. Là. On débranche tout et on avance. On bloque la bille. Et en avant. C'est ça. Plus vite c'est fini et plus vite on attaque la dernière montée. Et après, la délivrance, la médaille, le t-shirt, une bière. Ah, ça c'est de la bonne question. Ça c'est beau ça. Allez mon Ludo. Alors 340 femmes sur ce grand raid, dont Marion. Alors Marion, comment ça se passe un peu ta course? Plutôt bien. Oui, t'es bien là franchement. Oui, pour faire le chemin des Anglais à cette heure-ci, c'est parfait hein. Oui, une chaleur.
si j'étais le parfum, mais ouais. Non, ça va. Tout s'est bien passé ? Oui, oui, franchement, tout s'est bien passé. Pas de soucis particuliers. Donc, normalement, pas de doute, la redoute, quoi. Voilà. Bah écoute, ouais. Maintenant que je suis là, j'avoue que je me dis que c'est bon. Je devrais finir. Allez, bon, bah, bon finish. Merci. Bravo aux photographes hein, aussi, hein, qui sont là pour amener des souvenirs un peu aux coureurs. Hein. Ouais. En plus, regardez, le spot, il est beau. Hein. Alors Pierre, désolé un peu de t'essouffler dans cette montée, qui est quand même dure hein, pour après 140 km. Qu'est-ce qui s'est passé là, je vois ton genou. Ben, il pleuvait pas mal sur Plaine des Mers, l'entrée du sentier scout. J'étais bien et dans la descente, je suis venu un petit peu envoyer en descente. Je me suis fait avoir sur un caillou qui glissait, lui aussi qui s'est dérobé, et je me suis vautré. Ah. Voilà. Et là, t'as réussi à venir quand même jusque là, au mental. Ah, c'est dur. C'est dur, ouais. Parce que vu ce que je voulais faire et ça se passait bien, j'étais parti en vague 4, mais j'étais bien remonté, j'étais content de moi, ça se passait bien, j'étais en forme. Alors peut-être qu'effectivement, je m'étais un peu épuisé au départ. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah, oui. Mais du coup, un peu embêté parce que le premier kiné, en fait, et après, il est à Roche-Plate, quoi. Donc, j'ai dû attendre Roche-Plate pour avoir... Ils m'ont fait des straps, hein. Il y avait des infirmiers et tout, j'ai eu des straps. Non, pour voir un kiné qui m'a fait ça. J'étais dans le Roche-Plate et puis deux bras. Et je vais pas critiquer, hein. C'était vraiment géniaux avec moi. Hein. Ah, ouais. Vraiment, un service incroyable. Super. Super. Vraiment super. Super. Et du coup, ça... J'ai fait 60 km avec ça. Et, ouais. Et dans les descentes, c'est l'enfer. Un chapeau. Hein. Chapeau, on en reparle dans. Ouais, c'est pas grave, tu vas arriver, tu vas arriver, oui. Voilà, direction le ravitaillement Grande Chaloupe qui est ici. Allez, bravo. Allez, 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 ouais. Moi, j'ai rien entendu là. Allez, 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 allez. J'ai couru avec une célébrité. J'ai couru avec une célébrité. C'est fraîche quand même. Allez, allez, bravo, bravo. Allez, bravo. Allez, bravo. On t'attend à la redoute. Ah bah oui, bien. Tristan, donc nous sommes dans la dernière partie. Hein bah donc on monte au Colorado. Hein, toi tu connais bien hein, parce que tu es d'ici, hein, tu es réunionnais. Donc tu connais déjà le parcours. Ouais, c'est une partie de plaisir. Après, un peu tout ce qu'on a passé. Ouais, oui, c'est le plus facile. Ouais. Mais ça reste dur à cause des kilomètres enchaînés. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, je dirais que là pour l'instant je sens pas vraiment parce que je l'ai déjà fait et puis on a envie de terminer, on sait ce qu'il y a un peu à faire. Oui. Mais ça veut dire que tu as bien géré ton effort du coup. Ouais, bah pour une première fois je pense que c'est important de s'écouter, prendre du plaisir de bout en bout, histoire de pas abandonner déjà. Ouais. La terminer et terminer bien. Allez, petite pause sur ce sentier avec un magnifique panorama pour vous présenter quelque chose de particulier. Je laisse la parole à Damien.
Alors la JAG, c'est au mois d'octobre. Octobre, octobre rose, la lutte contre le cancer du sein, donc il faut y penser, penser à toutes celles qui luttent, tous ceux qui luttent, le cancer du sein, mais aussi tous les cancers en général et tous ceux qui les accompagnent, parce que c'est une maladie, c'est un grand raid, t'as pas demandé à t'inscrire, la vie t'y inscrit, t'es obligé de lutter, t'es obligé d'avancer. Tous les traitements, c'est chaque épreuve, c'est le chemin des Anglais, c'est toutes ces épreuves-là, elles sont terribles, mais t'as pas le choix d'avancer, c'est pour vivre. Et là, tu survis et t'es heureux, et c'est pour ça qu'après, il faut continuer le sport. Et tu es toi-même concernée Alors oui, ben ouais, j'en parle comme ça, parce qu'en fait, moi-même, j'ai passé cette épreuve. Donc tout le hall inclusive, la chirurgie, la chimio, le traitement ciblé, la radiothérapie. Et je suis contente, je pensais me relever, mais vraiment très affaiblie. Et j'arrive quand même à courir et je profite de chaque instant. Donc je profite deux fois plus de la vie et je vis plus intensément. Donc courage à tous ceux et toutes celles qui luttent. Et bravo. Allez, dernière ligne droite. Bravo. Allez, bravo. T'en veux? Non. C'est génial, ça vient des footeux, comme quoi ils ont du bon. Ah oui, c'est le truc magique. À part les salaires, ils font des trucs bien. Les futurs finishers, ils sont là. Bonjour. Ah, bonjour. 8,45 et 10,50. Donc là, c'est un pointage intermédiaire. Oui. Ouais, le trailer est aussi poète. Allez, encore un pointage intermédiaire. Et là, les coureurs ont pour objectif le Colorado. Bon, une demi-heure, je suis là-bas. Bon, tu vas là-haut, quoi. Alors David, première diagonale des fous. Oui. Et là tu finis dans un état un peu catastrophique, mais tu finis. Ouais, j'ai pas mal aux jambes, rien, je serais capable de courir. J'ai juste deux énormes ampoules sous la plante des pieds de chaque côté. Ouais. C'est fait que là j'en suis au point où je peux plus poser les pieds par terre depuis déjà 5 km. Donc c'est très long pour finir. Surtout qu'il y a une belle descente de 5 km qui nous attend, donc il va falloir dérouler. Donc voilà, donc là je vais essayer de faire 2 km de plus jusqu'au prochain poste infirmier, voir comment on peut m'emballer les pieds pour terminer. Allez, bon courage. Merci beaucoup. On fait une béquille de ce temps-là. Attendez David, allez, courage. C'est un champion. Hein. C'est dur. C'est les pieds là. Hein. Genoux les pieds. Les ampoules, c'est quoi là? Allez, c'est parti, mon pipi. Tout à l'heure, mais ouais, là, je pense que c'est pour moi. Est-ce que tu peux te reculer de façon à ce que tes pieds posent tes jambes? Oh oui, il va finir. Sur, va finir. Voilà, et tu laisses tes pieds dans le vide. Je récupère, on le soigne, les infirmières le soignent, et c'est bien. C'est une ampoule qui était percée. Donc, je n'ai plus, j'avais juste mis un sparadrap pour protéger. Sauf qu'il y en a une autre qui s'est formée à côté et qui a gonflé. Mais oui. Alors, bon, je m'occupe de celle-là. Hein. Ok. Toujours souriant, les bénévoles. Vous avez le plaisir de vous accueillir. La dernière descente. Ouais, ça va être. Dur, mais ça va.
Vous avez fait toute la course ensemble? Non. Fin de course. Que la fin de course. Voilà. Ouais. Vous allez passer la ligne d'arrivée ensemble? Ah oui. Ah bah c'est super. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Du coup, on est trop contents. Eh oui. On a dit salut au dernier sommet là et puis c'est bon. Allez. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à arriver. C'est ça. En tout cas, vous avez encore du jus. Hein. Bien. Vous avez bien géré l'effort. L'excitation d'arriver. Oui. Alors Isabelle, tu vas rejoindre David? C'est ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dit au courant? Ampoule au pied, les deux, voilà, ouais. Saigné, des soins, donc on m'a appelé pour me le dire et voilà. J'ai décidé de le rejoindre pour faire la descente avec lui. Comme ça, tu vas l'aider dans la descente, essayer de le soutenir mentalement. Le soutenir surtout mentalement, voilà. Jusqu'au bout, voilà, qu'il le finisse vraiment. Alors on l'a croisé, il est aux petits soins par deux infirmières, j'espère que tu n'es pas jalouse. Non, du tout, j'espère qu'elles vont bien prendre soin de lui. Allez. Bon, bah, on te laisse aller retrouver ton chéri. Et merci pour cette course, et c'est magnifique. Franchement, encore bravo à tout le monde. Merci, allez, ciao. Ciao. C'est bon, il bouge pas le stade? Il est toujours là. Il est toujours là. Allez, on va au 3 Suisse alors. Merci. Allez, bon courage. Nous sommes à 1 km de l'arrivée, je vous propose que l'on se retrouve demain avec les coureurs qui auront passé 3 jours et 3 nuits sur le parcours et ainsi les accompagner jusqu'au stade de la Redoute. Bravo. Bravo. Je souffre parce que je fais que chialer. C'est quand même court, hein. C'est trop bien. Bravo, c'est le meilleur. Bravo, bravo, bravo. T'as gardé de l'énergie? Franchement, ta mère n'a plus d'énergie. Ah, alors t'as gardé du mental. Ta mère, elle a plus d'énergie, elle a juste de l'amour. C'est bien. On marche arrière, c'est encore plus bien. Et on marche arrière. Sur le bitume, c'est génial. Ça en marche arrière. Merci. Sur le bitume, ça en marche arrière, c'était énorme. Allez, Dubois, bravo. Que des bons seuls, on va faire pleurer. Bravo, Pascal, merci. Merci. Tiens, les gars. Allez, bravo. Que des bons seuls. Putain. C'était dur, hein. Comment on l'a fait? Allez, on allez. L'a fait. On l'a fait pour vous. Vous me donnez les larmes. Non, on en a bavé, les amis. C'était. Si l'on finit sous la chaleur, c'est. Non, vous êtes. C'est royal. Vous êtes phénoménal, royal. Vous êtes passé limite. Ouais, très limite sur deux pointages. Donc, on a eu vraiment très peur. Et puis en fait, on a rattrapé le temps perdu après. Et... Ouais, après ça s'élargit, le barrière horaire. Et on sera finisher. Quand je vous ai vu passer Roche Plate, j'ai dit c'est bon, ils sont finisher. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais. Les émotions. Tu es phénoménal. Ah oui, tiens. Merci. Bon, allez, on est à. 4,30 au kilo. Ah non, c'est pas vrai. Non. Il est encore lucide, hein, avec tous ces kilomètres. Bravo. Merci. Il est bon, hein. Bravo. Allez, allez, merci. Allez. Allez, plus de kilomètres. Il a
aller chercher cette médaille. Regardez-moi cette belle image également. Ils franchissent cette ligne d'arrivée, main dans la main, avec le bisou qui va avec. Bravo Jérôme, bravo Laetitia. Bravo Jérémy, waouh. Un bisou quelque peu salé, mais c'est pas grave. Hein. Donc après 165 km, on ne compte plus le calendrier dans les bijoux. Laetitia, Jérôme, les médailles. Merci et beaucoup. Il y a Julie, Cette Jacques qui sont vaincus ensemble. Fin de cette 30e édition du Grand Raid avec l'arrivée magique des Dubois. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.